Salut tout le monde, c'est Septimus Blex en compagnie de Enzo. Bonjour tout le monde. Ça va? Oui. On est heureux de vous retrouver pour une nouvelle rubrique, une nouvelle Magic rubrique, ou rubrique Magic, je sais plus. Mes deux passes. Donc c'est une nouvelle Magic rubrique. On continue donc la présentation des préconstruits de l'édition 2020 et on boucle justement la présentation de ces préconstruits avec Sorin. Sorin. Ah, voilà. Retour de Sorin, ça fait bien plaisir. Moi, c'est un Plains que j'aime bien, mais c'est surtout que voilà, c'est le Plainswalker référence des vampires. C'est ça. Et les vampires, c'est une créature noire que j'apprécie énormément. On regarde tout de suite la boîte, donc on vous épargne le déballage. Hein. Cette fois-ci, on l'a déjà ouvert. Et franchement, cette illustration est juste monstrueuse. Hein? Non, les vampiresques. Ouais, t'as un gars comme ça en face de toi, t'es pas très serein. Mon dieu. Donc violet, mais en fait, il s'agit bien de noir. Donc Sorin ici, derrière bien entendu le petit logo Magic. On ouvre ça immédiatement. C'est très bien. C'est très bien. Et on regarde bien entendu la notice qui va nous parler du personnage et ensuite de la façon de jouer le deck. Si ça veut bien se déplier, merci bien. Merci, tu galères. Hein. Ça arrive. Alors, Sorin, seigneur vampire, bien entendu. Sorin Markov est le seigneur d'une puissante lignée vampire sur le plan d'Innistrad. D'accord. Âgé de plusieurs millénaires, craint même par ses pairs, il fait preuve d'une véritable férocité au combat, maniant aussi bien l'épée que la magie de drain de vie. Ah oui. Oui, forcément, les vampires, c'est leur truc. Lorsqu'il est confronté à une menace qu'il ne peut vaincre seul, il peut faire appel à une armée de vampires pour combattre à ses côtés. Un peu flippant, le gars, quand même. Hein, il écrit « craint par ses pairs ». Ouais, par ses pairs. P.E. accent grave R. Non, non, par ses pairs, c'est une expression. Par ses pairs, c'est les gens... oui, c'est semblable. Voilà, merci. Tu m'évites une explication. Mais tu le sais, pourquoi tu demandes? Je sais pas, j'ai pas vu. Bon, bref, jouez le deck. Sorin est encore plus redoutable lorsqu'il est entouré de ses frères vampires. Invoquez des vampires affamés qui deviennent plus forts en drainant les points de vie de votre adversaire et ouvrez la voie en éliminant les créatures ennemies. Maintenez l'adversaire sous pression jusqu'à ce que son total de points de vie tombe à zéro. Hein. C'est le but du jeu. Terme à connaître, contact mortel, on n'avait pas encore vu celui-là, il me semble. Hein, il est unique justement. Alors, le nombre de blessures qu'une créature avec le contact mortel inflige à une autre créature... quel qu'il soit, détruit la créature blessée. En gros, ça veut dire que même avec un d'attaque, le fait d'avoir le contact mortel, ça détruit automatiquement la créature qui est en face. C'est juste le truc trop casse-tête, ça. Donc vol, on connaît, et le lien de vie, on connaît le lien de vie aussi, hein, qui a dû coucher les vampires. Hein. Quelle bonne idée. Donc, le deck... On attaque direct avec, bien entendu, Sorin, seigneur vampire. Tout comme les autres Plains, hein, il se joue donc avec deux cartes de couleur et quatre incolores, ici donc deux marais. C'est un Plainswalker légendaire. Ah, lui, par contre, il a que 4 points de loyauté. Mais il n'est pas très fidèle. Donc. Eh ben... Donc pour plus 1, jusqu'à une créature ciblée, gagne plus 2, plus 0, jusqu'à la fin du tour. C'est pas ouf, hein. Effectivement. Mais si c'est un vampire qui a le lien de vie... Ça passe. Voilà, c'est bien. Pour moins 2 seulement, c'est pas cher, Sorin, seigneur vampire, inflige 4 blessures à n'importe quelle cible. Vous gagnez 4 points de vie. Alors ça, par contre, pour juste moins 2, c'est plutôt violent, j'ai envie de te dire. Et pour moins 8, jusqu'à la fin du tour, chaque vampire que vous contrôlez acquiert, engagez la créature, acquérez le contrôle de la créature ciblée. Alors, j'ai jamais compris cette capacité. Je veux bien savoir que quand tu l'engages, tu prends le contrôle de la créature, mais c'est seulement si en face il y a des 10-10 ou des trucs très puissants. Ouais, ça peut être ça. Autant il aurait mis et toutes je sais pas, les capacités, genre le lien de vie et compagnie des vampires, et se mettre sur la créature. Là, j'aurais compris que ça servait à quelque chose. Sinon, ça sert à rien, là.
Bah si, c'est vrai que ça sert à acquérir le contrôle. Et sauf que là, c'est parce qu'à la fin du tour... Chaque vampire que tu contrôles acquiert, tu l'engages et t'acquiert le contrôle de la créature ciblée. C'est ça, en plus c'est parce qu'à la fin du tour, tu regardes. Normal, en ça. Imaginant que tu joues, je sais pas, contre la verte, là, comment elle s'appelle, Vivienne. Mais Vivienne. Elle, à la fin, elle te fait un +10/+10 sur toutes ses créatures, c'est, si je me rappelle bien, c'est ça. Et ben voilà, en réponse, tu peux faire ça. Ah non, tu peux même pas. En fait, c'est pas terrible du tout, t'as raison, puisque ça, ça joue en tant que rituel. C'est ça. Ah, ouais. Donc, effectivement... Bof. C'est pas ouf. Il y a juste cette capacité-là qui est ouf. Tu vois, juste en jouant du moins 2, finalement... Tu éditerais tout, quoi. Ouais. Bon, un petit peu décevant, mais... Mais clairement, oui, c'est bien, parce que déjà, tu peux empêcher l'adversaire d'avoir des créatures. Si t'as 10 vampires, tu peux prendre 10 créatures de chez lui. Ah, très joli ça. Mais dis donc. C'était ce Dianine, non? Bah, je sais pas, mais en tout cas, ils ont la même apparence. C'est ça, c'est le messager céleste. Alors, éveilleur des tombes pour 2 marais et 4 incolores. C'est une rare oiseau et esprit. C'est une 5-5, s'il te plaît. Elle a le vol, bien entendu, puisque c'est un oiseau. Pour 2 marais et 5 incolores, tu renvoies sur le champ de bataille engagé une carte de créature ciblée depuis ton cimetière. Ça fait un peu cher, hein. C'est un peu chéro à mon goût, je trouve. Ensuite, opportuniste vampire pour un marais et un incolore. Il s'agit d'un vampire d'une commune, une de 1. Pour un marais et 6 incolores, chaque adversaire perd 2 points de vie et vous gagnez 2 points de vie. Ça, c'est pas mal. Quand t'as du mana, c'est pas mal. Franchement, c'est pas mal. Effectivement. C'est un peu cher, mais c'est pas mal. Chaque adversaire, quand tu joues par exemple en troll à deux têtes ou ce genre de choses, ça peut être pas mal. Voilà. Par contre, tout seul, effectivement, si pour enlever 2 points de vie pour 7, c'est un peu cher. Par contre, effectivement, c'est peut-être la carte que, si tu as d'autres vampires mieux, hein, c'est peut-être la carte à enlever. C'est voilà. Ça. Ensuite, on a quoi? On a encore une rare ici, c'est la présence effroyable. Pour un marais et 3 incolores, il s'agit d'une créature cauchemar. C'est une 3-3. À chaque fois qu'un marais arrive sur le champ de bataille sous votre contrôle, choisissez l'un. Soit vous piochez une carte et vous perdez un point de vie, ce qui peut faire avancer votre deck, ce qui est pas mal. Soit la présence effroyable inflige 2 blessures à n'importe quelle cible et vous gagnez 2 points de vie, ce qui est plutôt pas mal. Et c'est à chaque fois qu'un marais arrive sur le terrain, s'il te plaît. Voilà une bonne carte. Et puis une vraie carte noire... digne de ce nom, puisque à chaque fois, chaque avantage te fait perdre un point de vie. Ça fait pas peur, les cartes. Créature cauchemar et présence effroyable, elle fait pas si peur que ça, hein. Même Slenderman fait beaucoup plus peur. Excuse-moi, mais... C'est Slenderman, celui qui a un collant sur la tête blanc, et tu sais, il habille tout en noir avec un costard et qui fait plus de 2 mètres. Une espèce de monstre dans un jeu. C'est ça, oui. Alors, là, on va parler d'illustration au cours, si tu veux bien. Donc là, effectivement, je ne sais pas si tu te retrouves dans une forêt avec ça en face de toi, je ne sais pas. Alors, si déjà, tu ne trouveras pas ça effroyable. Si, un peu, sauf qu'en fait, le truc, c'est en plus un marais. Et alors t'as les pieds toujours dans la mousse, dans les eaux sales. Et après, tu te retrouves dans un coin, là, genre... Ah oui, bah, c'est sûr qu'après, si tu cherches les ennuis, bien sûr. C'est ça. Normal. Si tu prends en pleine nuit l'envie d'aller dans un marais... Voilà, c'est que tu cherches les ennuis quelque part. J'adore la randonnée. Allons à marais. Allez, ensuite on a le guide de Sorin, j'imagine, qui va nous permettre d'aller le chercher. N'empêche, super joli. Très belle déduction. Superbe illustration. C'est un samouraï. Ouais, on dirait, c'est bizarre. Hein. Il a gagné de bataille. Donc, ici pour 2 marais et 3 incolores, il s'agit d'un vampire, bizarrement. Un vampire, ouais. C'est vrai qu'il fait samouraï. Une rare, c'est une 4-2. Et quand il arrive sur le champ de bataille, on peut aller chercher dans la bibliothèque et ou le cimetière une carte appelée Sorin, seigneur vampire. On la révèle et on la met dans la main. Et si on la cherche dans la bibliothèque de cette manière, on mélange la bibliothèque. Il y en a 2. Alors, c'est pas le truc de ouf, franchement. C'est pas ouf, hein, c'est pas super, super puissant. Hein. Je suis un petit peu déçu, je t'avoue. Ici, on a quoi? On a le cambrioleur de sang. Elle est pas mal, celle-là. Oui. Un marais et un incolore, c'est une commune vampire et gredin, c'est une 2-2. Tant que c'est votre tour, le cambrioleur de sang a le lien de vie. Ah, c'est marrant ça. Il rentre chez toi, il va pas cambrioler ton argent. C'est une 2-2 pour 2 qui a le lien de vie sur ton tour. C'est pas mal, c'est marrant. Le lien de vie, oui. Donc il y en a 4.
Ensuite, on a Voltigeuse assoiffée de sang pour deux marais, un incolore. Il s'agit de Vampire Aigredin, une Unko, une de 3 qui a le vol. Ça, c'est pas mal par contre. Hein. À chaque fois que vous gagnez des points de vie, mettez un marqueur +1/+1 sur la Voltigeuse assoiffée de sang. Ça, c'est un bon vampire, j'ai envie de te dire. Un bon vent ? Un bon vampire, ça. Tu connais la différence entre un bon vampire et un mauvais vampire ? Bah, le bon vampire, il arrive, il suce le sang et il part. Alors que le mauvais vampire, bah, il arrive, il suce le sang, mais il le fait pas bien. Quoi. Mais c'est un mauvais vampire. Exactement, et après il part. Voilà, donc il y en avait combien ? 4, c'est ça ? C'est ça. Oui, 4 voltigeuses, ce qui est pas mal. Mais c'est un bon vampire, hein ? Bref. Ensuite, on a Vampire de la Lune Sinistre pour un marais. C'est une Unko, un vampire, une 1-1, qui a le contact mortel et le lien de vie. Alors ça, c'est juste trop fort. Vampire de la Lune, oula. Alors, vampire de la Lune Sinistre. Une 1-1 pour 1, d'accord, qui a le contact mortel et le lien de vie. 1-1 pour 1, ouais. Contact mortel. Et lien de vie. C'est un truc que j'aime pas, les créatures faites comme ça. Et il y en a 4 dans ce deck. Donc ça, on peut dire déjà que c'est le vampire du deck pour l'instant. Le truc relou du deck, quoi. Ouais, bah oui, franchement, oui. Ensuite, on a quoi ? On a la valeur sauvage. Donc pour 2 marais et un incolore, on voit tout de suite, c'est une illustration qui est pas mal du tout. Hein. Un mélange entre Castlevania et Beetlejuice. C'est ça. On a, donc c'est une commune, un vampire, une 1-1. Qui a le vol, et au début de votre étape de fin, si un adversaire a perdu des points de vie ce tour-ci, mettez un marqueur +1/+1 sur la valeur sauvage. Donc plutôt pas mal ça. Par contre, un peu cher à jouer, mine de rien. Et il y en a 4. Eh ben, Seigneur de sang assoiffé pour deux marais, deux incolores. C'est une Unko, c'est un vampire, et c'est une 3-3. Les autres vampires que vous contrôlez gagnent +1/+1. Pas mal du tout ça. J'aime beaucoup l'illustration en plus. On en a 3. Un petit quatrième aurait été le bienvenu. Effectivement. 200 plus tard. 25 toujours. Toujours trop à mon goût. Ici on a quoi ? On a un éphémère avec une superbe illustration. Je sais pas ce que t'en penses. Ça pense. Obscur remède, donc pour un marais et un incolore, c'est une commune. La créature ciblée gagne +1/+3 jusqu'à la fin du tour, donc il s'agit de boost. On en a que 2. C'est un peu light. Ensuite, on a quoi ? On a la soif de Sorin pour 2 marais. La soif de Sorin inflige 2 blessures à une créature ciblée et vous gagnez 2 points de vie. Ça, c'est pas mal. Et il y en a 4. Et ensuite, on a Homicide, trop bien Homicide. Trop cette carte. Ouais, c'est la descendante de Terreur. C'est-à-dire que là, pour 2 marais et un incolore, hein, tu détruis la créature ciblée sans condition. Sauf que la Terreur, c'est une créature non noire. Et non d'artefact. Ah, effectivement. Mais ça coûtait que 2. Donc tu pouvais empêcher, si tu veux, très tôt dans la partie, ton adversaire de construire sa stratégie. Effectivement. Voilà, alors. Je trouve pas que ce soit un deck de folie. Hein. Au même titre que le bleu. Je trouve pas que ce soit les deux couleurs les mieux mises en avant dans cette édition 2020. Ce sont des couleurs qui d'habitude sont très puissantes. Effectivement. Et ici, bon, à part 2 ou 3 vampires, franchement, même le plein, c'est pas ouf. Hein. Effectivement. Et quoi, c'est une seule capacité sur les 3 qui est pas mal. Ouais, en plus elle est pas chère. Faut avouer. Maintenant, d'un autre côté, voilà, on a quand même quelques vampires qui valent le détour, qui sont pas chers à jouer. Par contre, il y en a d'autres, on se demande ce qu'ils viennent faire ici quand même. Hein. C'est ça. Concrètement. Tiens, regarde, tu vois cette carte. Ouais. Comme ça. Retourne-la. L'illustration, elle est à l'envers. Regarde, elle est sur une barre à l'envers avec les chandeliers. Ah, pas mal. Regarde, tu vois, parce que dans ce sens-là, ça veut pas dire grand chose. Les chandeliers. C'est vrai que ça ressemble à rien là. En fait, faut la lire à l'envers, t'as raison. Ça, là, normalement, t'as. C'est moi qui se repose sur une branche. Là. Oui, c'est ça. Ah, c'est marrant ça. Et ils auraient peut-être pu la mettre à l'envers. Enfin, à l'envers. Ou à l'endroit, ça dépend. Ouais, de voilà, c'est ça, c'est... Ils auraient peut-être pu la mettre dans l'autre sens, quoi. De quoi ? Non, parce que là, du coup, t'as raison, c'est strange. C'est strange qu'il l'ait pas mise direct comme ça. Peut-être une erreur d'impression. Peut-être. On va savoir. Peut-être qu'il y a, quand ils ont mis à l'impression, il y a une mauvaise interprétation du dessin, je sais pas. C'est ça. Ça peut arriver aussi. Droite. Ou alors c'est fait exprès pour qu'on ait ce genre de réflexion. En tout cas, joli coup d'œil, cher ami. Bon, je pense qu'on a fait le tour. Toi, t'en penses quoi de ce deck ? Bof. Il te donne envie de le jouer ?
Bah, j'ai joué une fois avec ce deck. Honnêtement, c'est très long à sortir, c'est très énervant. Surtout après, des fois, les coups de mana. Si en face, il joue une Vivienne ou une Chandra assez rapidement, bah, t'as perdu. D'accord, donc on est bien d'accord pour dire que jusqu'ici, les couleurs vertes, rouges qu'on a vues, ainsi que le deck blanc qui a l'air blanc vraiment aussi, très puissant, bah, les deux autres, bleu, noir, nous laissent un peu sur notre faim. C'est ça. Du coup, bah là, on espère sincèrement que, parce qu'on va, vous péter une boîte de 2020, édition de base 2020, donc en vidéo. Et on espère sincèrement que dans cette édition 2020, il y aura de quoi booster ces decks noirs et bleus, qui pour l'instant, bah, nous font pas plus kiffer que ça. Hein. C'est pas ouf. Ouais. Même moi qui suis pas trop vert et blanc, j'ai bien aimé le contenu des deux decks verts et blancs, quoi. Donc voilà. À suivre donc, et donc à suivre, on vous donne rendez-vous justement pour le pétage de la boîte 2020, ce qui va être la suite de la Magic Rubrique. C'est ça. Sur ce, n'oubliez pas que vous pouvez lâcher des commentaires dans la section du dessous, merci de mettre un pouce en l'air, merci de partager mes vidéos, c'est cool, ça me fait de la pub. Pour les nouveaux, n'oubliez surtout pas de vous abonner à ma chaîne. Vous pouvez également checker toutes mes autres revues et playlists. En attendant, on vous donne rendez-vous à très très vite pour d'autres Magic Rubriques. Portez-vous bien. Et à la prochaine. Allez, bye bye. Bye bye.